les souvenirs d'enfance de Charlotte Gainsbourg refont surface. Alors qu'elle se confie dans un portrait abécédaire du mari Claire, Charlotte Gainsbourg raconte une douce anecdote de son enfance avec Bambou, la dernière compagne de Serge Gainsbourg. À la dernière lettre de l'alphabet du portrait, la fille de Jane Birkin se souvient des bonbons de son enfance, le Zan. Cela me rappelle rue de Verneuil, quand mes parents étaient séparés, confie l'actrice et chanteuse. Cette époque de son enfance où Charlotte Gainsbourg était très choyée, Bambou s'occupait de moi. Bambou, de son vrai nom Caroline von Paulus, laisse des souvenirs précieux de ses week-ends à la fille du célèbre compositeur, désormais elle-même maman de 3 enfants. Charlotte Gainsbourg reste très tournée vers cette vie d'enfant heureuse, qu'elle ne souhaite pas lâcher. Bambou extrême discrète, que devient Bambou avec qui Charlotte Gainsbourg regardait un film sur son grand écran et mangeait ses bonbons? Aujourd'hui âgée de 61 ans, l'ancienne chanteuse a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Bambou, ainsi Serge Gainsbourg l'a surnommé, s'est remise d'une leucémie qui l'a touchée 3 ans après la mort de l'interprète de Lemon Incest. Après la sortie de son seul et unique album Made in China, Bambou s'offre plusieurs duos, dont un avec Marc Lavoine au début des années 2000 sur le titre Dis-moi que l'amour. La carrière de la chanteuse n'a jamais vraiment décollé. Depuis une dizaine d'années, la mère de Lucien, dit Lulu, fruit de leur amour, est désormais très discrète.